Ah non, ça attaque Flambusard. Ok, bah tant mieux, c'est une très bonne chose. Très très bonne chose. Et je ne tombe pas KO. Ok. Au pire, je me sacrifie sur un rapace. On n'en parle plus. Géocontrôle avec l'arme pouvoir. C'était risqué de faire géocontrôle maintenant, mais en même temps, si je le faisais pas maintenant, je pouvais... C'était peut-être le risque de jamais pouvoir le réussir, quoi. Mais bon, il y a un switch, du coup, ça veut dire que j'ai... Que j'ai mon Kulorior sous forme de Tortank. Et ça, c'est pas mal. Alors, si je me fais pas empoisonner, c'est parfait. Oh, oh my god. Alors là, si je m'y étais attendu à celle-là, non, je m'y attendais pas. Là, clairement, mon dieu. J'espère que j'ai pas fait de conneries dans les PV parce que j'ai pas l'habitude de jouer à Azumarill. Il me semble que Cognobidon, il faut que ce soit pair. Oh putain, j'espère que j'ai pas fait une connerie. Ouais, coup critique. Et j'ai pas méga évolué. Ça, c'est je suis un génie. il va croire que j'ai un méga Cisaiox du coup. Là, même si j'ai pas méga évolué, je suis toujours plus rapide que son Kangourex. En fait, j'ai oublié la méga gemme, c'est ça le truc. C'est pas des conneries. Hein. J'ai pas l'option de méga évoluer. On est d'accord. J'ai pas la méga gemme. On va essayer de faire avec. Oh non, Vantard. Oh non, le pornographe. Non. Mon dieu, non. Pourtant, je sais très bien comment ça marche. Eh ben, moi, je vais me faire baiser. Oh, bah, alors là, c'est le cas où on a un coup, mais tous les jours. Oh, la vitesse. La vitesse à laquelle c'est basé. En plus, il est life form. Ah, c'est parfait, c'est le Aquaquac qui est plus rapide. Excellent. Excellent. Du coup, sachant que j'ai une ceinture force, il pourra pas m'empêcher de faire imitation sur mon Roucarnage. Et on va faire vent arrière avec Roucarnage. Comme ça, c'est Demeteros qui sera... Enfin, c'est mes Pokémon seront plus rapides que les Pokémon adverses. Et on va beaucoup s'amuser, croyez-moi. Croyez-moi, on va beaucoup s'amuser. Ça va bien se passer. Alors j'espère qu'il va pas double focus mon... Oh, oh, oh oui, oh oui, oh oui. Alors à la limite, non, j'aurais préféré que mon Roucarnage meure ce tour-ci. Bon, c'est pas dramatique, hein, mais j'aurais préféré quand même. S'il pouvait faire Laser Glace sur Roucarnage, je suis pas contre, hein, mais j'y crois pas du tout. Mais bon, on sait jamais. Ah, mon Demeteros c'est plus rapide que le Aquaquac. Le Aquaquac n'est donc pas mouchoir choix, hein. On est d'accord. Laser Glace, vas-y pour Roucarnage. Ah, dommage. Dommage. Le petit PV... Merci la ceinture force. Oh non! Mais non! J'avais réussi à placer ça! J'avais réussi à faire imitation avec Demeteros! Comment tu peux me faire ça, le jeu? Récompense-moi! Non! On va le tenter, c'est n'importe quoi hein, ce que je fais, hein. Mais on va le tenter, parce que je veux absolument gagner comme ça. Je veux absolument gagner grâce à Abîme et Glaciation, et pas grâce à eux, et pas en jouant normalement, quel intérêt, franchement, c'est nul, c'est nul. Ils ont tous les deux une chance sur trois chacun de se réveiller. Imitation sur ma cogneur, Demeteros, annule garde. C'est le beau jeu, le beau geste. Groudon dort toujours, ça c'est bon ça. Est-ce que Cresselia se réveille? Non. Il s'abrite pas. Et Abîme qui réussit sur Groudon, la PLS adverse. Et voilà. Je l'ai fait les enfants, je l'ai fait. Ça revient au même, hein. Enfin ça revient au même. Le boost est le même. Mais Boreas est plus rapide que Xerneas. Alors s'il me fait vent violent sur Xerneas et qu'il me rend confus, c'est vraiment la merde. Si j'étais raisonnable, j'aurais fait garde large avec Rigigas. Mais... Bah oui, parce que si je meurs... Mais je ne meurs pas. Oh, putain, mais... Je suis trop con, parce que si je meurs avec... Vous vous rendez compte que si je meurs avec mon... avec mon... Xerneas, je fais boost sur personne. Bon, Regigigas, il meurt pas, sauf coup critique. Ouh, Dush KO. Ah oui, c'est vrai qu'il est tout seul. Et on... Et ouais, Regigigas est plus rapide. Ah, du coup, j'aurais pas fait le KO en avec Regigigas, mais en deux combats, j'aurais fait deux KO avec Regigigas, et j'aurais... Je l'aurais boosté... À l'équivalent d'un géocontrôle, et ça, et ça, et ça, qui fait ça? Qui fait ça? Trouvez quelqu'un sur YouTube qui fait ça! Oh, je vous mets au défi, en tout cas, GG le gym! Ce Exagide m'embête, mais c'est pas grave. Vous allez comprendre pourquoi. Mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs! Mesdames, messieurs! Dégommage, Bélansat,
sur Lugia. Il mange la baie. Son taux de critique augmente. La vulné assurance s'active. On gagne en attaque. Et en attaque spéciale avec taux de critique élevé. Tellurie force. On fait le KO ou pas? On fait le KO. On fait le KO. On fait le KO, je suis à plus 2. On fait pas le KO, bordel. Y'a pas de taux critique. L'instant est trop important. L'enjeu est trop énorme. Aéroblast qui réussit. Eh oui. Eh oui. La puissance qui est multipliée par 3 taux critiques, évidemment. 100% de chance. Je suis gourmand de faire ça. Je vais refaire Tellurie Force sur OO pour que ça n'ait aucun effet. Et boost sur Lugia. Encore, il reste encore un tour 2 encore. On va le tuer avec... voilà, ses stats ne peuvent plus augmenter. Mais il est bloqué. Et boost sur Lugia. Oui. 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 Un rapace à plus 2. What? Méga corne. Quoi? Xerneas méga corne avec jeu au contrôle. Pardon. Ça c'est bien dommage. Bon, au moins on bloque le pain sur bluff. Il est obligé de switch ici. Parce que sinon il refait bluff. Ou alors il peut se dire bah je me suicide, je reste. On a fait un KO avec Psychoquack au critique. Incroyable. On a fait un KO avec Psychoquack. Groudon va arriver. Il va poser son soleil. Ça va marcher. Oh mon dieu! Maman, je vais le faire! Tendance sur Groudon. Et j'ai Clédo. Il m'a pas vu faire Tendance, hein! Tu peux pas t'attendre à ça, c'est le truc le plus inattendu de l'histoire! Ça fait Vampigraine. D'accord, on est sous le soleil, on s'en fout. On est... Il pouvait pas faire Poudre Dodo avec la Run Protect. Tendance, voilà! Il n'y a plus la terre finale! Groudon glissade, hein, voilà, on est content. Il n'y a plus de soleil. Et on peut faire Giclédo. Et regardez-moi ce Groudon mourir. Et voilà, il n'y a plus de Groudon. C'est fini. Échange. Oh, oh. On n'a pas vu le talent que le Mewtwo il a pris. Et je fais pas le KO, putain, je fais pas le KO, frère. Abri avec Dracofeu. Canon graine sur Azumarill. Attends, c'est un Mewtwo? Coloforce? Ah non, ça switch, putain! Merde! Ah mais non! Putain, Herlock qui casse tout! Mais non, y'a aucun fun! Y'a aucun fun, merde! Échange sur... What? What? Un Rayquaza cogne au bidon! Là j'applaudis Ziad, c'est du grand art! Alors, oui j'ai une team de merde, mais on s'en fout! C'est juste du grand art, putain! Il a réussi à placer ça! Mais putain, mais Picasso, Van Gogh, c'est de la merde à côté de ça! Merde! Mozart, tu pues! Sérieusement! Putain, voir un Rayquaza pas méga qui fait Dracoascension, ça perturbe. Wow! Ah, bluff pour Uniglali, parfait. Et provoque sur Uniglali, impeccable. Ah, ça c'est impeccable, on se met bien. Allez, reflet avec Yveltal, ça commence. Et on gagne en quoi avec Uniglali? On esquive, c'est ça qu'on veut voir. Et on perd en attaque spéciale, on s'en fout totalement. Encore, et ça va... Ah, ça ne loupe pas. Dommage, ah ça c'est dommage, on va être bloqué sur abri. Ah, j'aurais pas dû méga évoluer du coup, finalement. Provoque, c'est pour qui? C'est pour Yveltal, d'accord, ok. Oh mais non mais je rêve. Moi j'ai gagné 2 crans en esquive. Attendez, j'ai gagné 2 crans en esquive. Et j'évite pas encore. Et moi je loupe aboiement sur l'un des Pokémon adverses. C'est un foutage de gueule là. Et Onigali meurt pas tellement le Kyogre a peu de PV. Du coup sur Giclédo, oh loupe Ventardise. Et du coup c'est gagné. Oh la vache, mais c'est dégueulasse. Oh, c'est horrible. Ça s'abrite, ça troll en face, évidemment. Je comprends en même temps. Mais cette team est horrible. Mon dieu, c'est dégueu. Mais cette team est dégueulasse. Je le savais, je l'ai build.
Mais là, dans la pratique, c'est presque encore pire que ce que j'imaginais. Il est japonais et c'est un Rondo Shiny, ce n'est pas légitime, mais c'est très bien, d'accord? Très bien. Ah, c'est la totale, hein! Ça réussit Explo Force Hypnose! Sans la gravité, ça joue des Pokémon pas autorisés, très bien! Très très bien! On retient, hein. Je dis pas de conneries, on fait bien chaos. Ah, j'ai le bandeau choix, c'est du x4, on est sous la pluie! Sans deck! Évidemment, ça fait le chaos! J'ai encore le doute là! Mais je le joue bandeau choix juste pour ça, je crois, donc Et Aqua Jet! Et Quillfish! Qui élimine Primo Groudon d'un seul coup! D'un seul coup! Quillfish! Quillfish! Deux KO pour Quillfish! En un seul combat! Eh oui! Je vous avais pas menti! Quillfish, c'est pas de la merde! C'est pas de la merde, Quillfish! Je vous l'avais dit! On va faire éructation. What? J'ai pas de B. Non! Non, 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 non! C'est pas vrai! Non! Quoi, mais j'ai une baie. Ah, il faut avoir mangé la baie avant. Oh mince. Je suis déçu du coup. Et là, attendez, et là c'est très important. C'est très important, c'est pour la... C'est pour l'histoire. C'est pour l'histoire. On va le faire. C'est maintenant. Oui. Sur console, c'est la première fois que je le fais. Stracy, à bientôt. Munja sur le terrain. Et Tendance. Et on est maintenant. Vous allez voir un Munja avec fermeté. Priez le Munja, fermeté. Et là, regardez. Regardez le Munja, il a un PV. Il prend le coup, mais il s'en fout. Il a fermeté, vu qu'il a qu'un PV, il peut pas mourir. Eh, non mais oui, évite l'attaque. Oh là là. Et du coup, on va pas... S'il a pas pris son Noacier, j'ai gagné. Parce qu'il me suffit de faire cage éclair sur mon Munja. Et du coup, il peut pas se faire brûler par le Groudon avec point de feu ou avec lance-flamme. Mesdames, messieurs. À moins que... Non, non, même veux soin, non, tu peux pas faire, non. Non! Tout sauf lui! Bon, c'est très simple. Je gagne automatiquement au timer. Si il n'y a pas Vampirine sur Snowacier. Non! Non, il l'a! Attends, c'est logique, mais non! Mes rêves sont ruinés! Bonjour tout le monde, la revanche de Munja, c'est aujourd'hui. Peut-être, peut-être qu'on va gagner un combat avec Munja aujourd'hui. C'est tout le mal que je me souhaite. Ah! Moi-même. Bon bah voilà, hein. Y a plus qu'à attendre de savoir s'il y a ou Flambusard derrière. C'est les deux seuls qui peuvent encore me tuer. À moins qu'il y ait un Pokémon avec Toxic, ce qui est totalement improbable. Mais voilà. C'est qui ça? Ah. Ah bah ça me dérange pas ça. Ça me dérange pas. Absolument pas. J'aurais bien voulu brûler la Azumarill le tour précédent quand même, mais au final ça change pas grand chose, vous allez me dire. Oh. Oh merde, le coup. Ah mais j'avais pas pensé à ça moi. Mais c'est encore mieux que feu sacré ou bout de feu. En espérant que ça s'abrite pas, ce qui serait évidemment une catastrophe pour moi. Ce serait une catastrophe. Non, abri on le voit avant prévention il me semble. Oui, y a pas de coup bas. Et mesdames messieurs, Pikachu fait un chaos. Je vous l'avais dit, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Le chaos sur Yveltal. Regardez-moi les dégâts de recul. Ah, c'est n'importe quoi. Les dégâts de recul sont juste insensés.